Lao Tzu, philosophie chinoise. Tao Te Ching, le livre de la voix et de la vertu, ou le livre des vertus de la voix. Traité écrit 6 siècles avant l'ère chrétienne par le philosophe chinois Lao Tzu. Hommage à la culture chinoise traditionnelle. Livre audio podcast bilingue français-chinois. Enregistré Happening Live le 5 février 2019 pour le Nouvel An chinois 2019. Narration interprétée par Stefano Francobora pour une production studio SFB Création Multimédia avec en spécial guest Laetitia Zeppelini-Humbert en lecture chinoise. Création culturelle en licence Creative Commons pour le libre partage et la découverte des cultures du monde. La voix que l'on peut nommer n'est pas la voix éternelle. Le nom que l'on peut donner n'est pas le nom éternel. 2. 无名天地之始，有名万物之母。 L'être sans nom est l'origine du ciel et de la terre. Avec un nom, il est la mère de toute chose. 3. 故常无欲，以观其妙。常犹豫，以观其教。 C'est pourquoi, lorsqu'on est constamment exempt de passion, on voit son essence spirituelle. Lorsqu'on a constamment des passions, on le voit sous une forme bornée. 4. 此两者同出而异名，同谓之玄。 玄之又玄，众妙之门. Ces deux choses ont une même origine et reçoivent des noms différents. On les appelle toutes deux profondes. Elles sont profondes, doublement profondes. C'est la porte de toutes les choses spirituelles. Lao Tzu, Tao Te Ching, le livre de la voix et de la vertu. Composé dans le 6e siècle avant l'ère chrétienne par le philosophe Lao Tzu. Traduit en français et publié avec le texte chinois et un commentaire perpétuel par Stanislas Julien, membre de l'Institut et professeur au Collège de France. Paris, imprimé par l'autorisation du roi Louis-Philippe en 1842 à l'Imprimerie royale. Chapitre 1. La voix qui peut être exprimée par la parole n'est pas la voix éternelle. Le nom qui peut être nommé n'est pas le nom éternel. L'être sans nom est l'origine du ciel et de la terre. Avec un nom, il est la mère de toutes choses. C'est pourquoi, lorsqu'on est constamment exempt de passion, on voit son essence spirituelle
lorsqu'on a constamment des passions, on le voit sous une forme fermée. Ces deux choses ont une même origine et reçoivent des noms différents. On les appelle toutes deux profondes. Elles sont profondes, doublement profondes. C'est la porte de toutes les choses spirituelles. Chapitre 2. Dans le monde, lorsque tous les hommes ont su apprécier la beauté morale, alors la laideur du vice apparut. Lorsque tous les hommes ont su apprécier le bien, alors le mal apparut. C'est pourquoi l'être et le non-être naissent l'un de l'autre. Le difficile et le facile se produisent mutuellement. Le long et le court se donnent mutuellement leur forme. Le haut et le bas montrent mutuellement leur inégalité. Les tons et la voix s'accordent mutuellement. L'antériorité et la postérité sont la conséquence l'une de l'autre. De là vient que le saint homme fait son occupation du non-agir. Il fait consister ses instructions dans le silence. Alors tous les êtres se mettent en mouvement et il ne leur refuse rien. Il les produit et ne se les approprie pas. Il les perfectionne et ne compte pas sur eux. Ses mérites étant accomplis, il ne s'y attache pas. Il ne s'attache pas à ses mérites, c'est pourquoi il ne les quitte point. Chapitre 3. En n'exaltant pas les sages, on empêche le peuple de se disputer. En ne prisant pas les biens d'une acquisition difficile, on empêche le peuple de se livrer au vol. En ne regardant point des objets propres à exciter des désirs, on empêche que le cœur du peuple ne se trouble. C'est pourquoi, lorsque le saint homme gouverne, il vide son cœur, il remplit son ventre, son intérieur, il affaiblit sa volonté et il fortifie ses os. Il s'étudie constamment à rendre le peuple ignorant et exempt de désirs. Il fait en sorte que ceux qui ont du savoir n'osent pas agir. Il pratique le non-agir, et alors il n'y a rien qui ne soit bien gouverné. Chapitre 4. Le Tao est le vide. Si l'on en fait usage, il paraît inépuisable. Oh, qu'il est profond! Il semble le patriarche de tous les êtres. Il émousse sa subtilité. Il se dégage de tout lien. Il tempère sa splendeur. Il s'assimile à la poussière. Oh, qu'il est pur! Il semble subsister éternellement. J'ignore de qui il est fils. Il semble avoir précédé le maître du ciel. Chapitre 5. Le ciel et la terre n'ont point d'affection particulière. Ils regardent toutes les créatures comme le chien de paille du sacrifice. Le saint homme n'a point d'affection particulière. Il regarde tout le peuple comme le chien de paille du sacrifice. L'être qui est entre le ciel et la terre ressemble à un soufflet de forge qui est vide et ne s'épuise point, que l'on met en mouvement et qui produit de plus en plus du vent. Celui qui parle beaucoup du Tao est souvent réduit au silence. Il vaut mieux observer le milieu. Chapitre 6. L'esprit de la vallée ne meurt pas. On l'appelle la femelle mystérieuse. La porte de la femelle mystérieuse s'appelle la racine du ciel et de la terre. Il est éternel et semble exister matériellement. Si l'on en fait usage, on n'éprouve aucune fatigue. Chapitre 7. Le ciel et la terre ont une durée éternelle. S'ils peuvent avoir une durée éternelle, c'est parce qu'ils ne vivent pas pour eux seuls. C'est pourquoi ils peuvent avoir une durée éternelle.
De là vient que le saint homme se met après les autres, et il devient le premier. Il se dégage de son corps, et son corps se conserve. N'est-ce pas qu'il n'a point d'intérêt privé ? C'est pourquoi il peut réussir dans ses intérêts privés. Chapitre 8. L'homme d'une vertu supérieure est comme l'eau. L'eau excelle à faire du bien aux êtres et ne lutte point. Elle habite les lieux que déteste la foule. C'est pourquoi le sage approche du Tao. Il se plaît dans la situation la plus humble. Son cœur âme à être profond comme un abîme. S'il fait des largesses, il exerce à montrer de l'humanité. S'il parle, il excelle à pratiquer la vérité. S'il gouverne, il excelle à procurer la paix. S'il agit, il excelle à montrer sa capacité. S'il se meut, il excelle à se conformer au temps. Il ne lutte contre personne. C'est pourquoi il ne reçoit aucune marque de blâme. Chapitre 9. Il vaut mieux ne pas remplir un vase que de vouloir le maintenir lorsqu'il est plein. Si l'on aiguise une lame, bien qu'on l'explore avec la main, on ne pourra la conserver constamment tranchante. Si une salle est remplie d'or et de pierres précieuses, personne ne pourra les garder. Si l'on est comblé d'honneur et qu'on s'enorgueillisse, on s'attirera des malheurs. Lorsqu'on a fait de grandes choses et obtenu de la réputation, il faut se retirer à l'écart. Telle est la voie du ciel.